Je suis conférencier de motivation, bien évidemment que les gens disent c'est un métier ça. Je suis conférencier de motivation, alors bien évidemment que tout le monde pense qu'il suffit de bien parler pour parler devant 300, 500, 1500 personnes. Je suis conférencier de motivation, alors bien entendu que beaucoup me disent « Quoi, tu fais ce métier des gourous américains, là le truc, là, le pitre sur scène, là ?» N'importe quoi. Je suis conférencier de motivation, alors bien entendu que beaucoup pensent « Punaise, tu dois te faire une thune de malade, punaise, l'argent que tu te fais en une heure, c'est indécent. » On sait pas compter les heures de transport, parfois 10 heures pour arriver à destination, et puis c'est toute la préparation, et puis c'est toute l'expertise, et c'est toute l'écriture, et c'est tout le côté entrepreneurial qui va à côté, et puis... C'est pas donné à tout le monde d'arriver à inspirer. C'est un vrai travail de fond. Je suis conférencier de motivation, alors bien évidemment que beaucoup me disent « Ah punaise, tu dois passer ta vie dans les palaces, toi, hein, c'est un truc de malade. » Je suis conférencier de motivation, alors bien entendu, beaucoup pensent que quand je loue des voitures, je ne loue que des voitures de luxe. Faudrait que je pense à un jet privé, tiens. Je suis conférencier de motivation et beaucoup me disent « T'en as de la chance, hein. T'as vu tous les voyages que tu fais ? » Oh là 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 là, la chance !